Pas compris, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, explique-moi, quel est le problème? Je viens me tromper. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui te pousse à le dire? J'ai trouvé un flacon de médicaments dans l'un de ses tiroirs. J'ai tout de suite compris qu'il était malade et qu'il suivait un traitement. Quand je lui ai demandé, ton mari est vraiment méchant. Donc il contracte une IST. Il se soigne. Mais il ne t'informe pas. Je n'ai vraiment pas de cœur. Je n'ai vraiment pas de cœur. En tout cas, ça ira. Ça ira. Mais toi-même, je t'ai toujours dit que ton mari là, il n'est pas clair. Ton mari là, abandonne. Tu n'as pas. Abandonne! Tu ne veux pas. Quand même, faut voir. Tu as plus raison. Je veux que tu m'accompagnes à l'hôpital. À l'hôpital, il doit faire. Je sais, je suis malade. Les amis, c'est fait pour ça, ok? On va y aller. D'accord. Mais toi, comment tu dis? Entrez. Bonjour. Bonjour, docteur. Prenez place. Madame Miranda, je viens de recevoir les résultats des examens et j'aimerais discuter de cela en privé avec vous. Il n'y a pas de souci, docteur. Vous pouvez parler devant elle, c'est une amie. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Vous avez contracté la syphilis. Mon Dieu, c'est pas possible. Calmez-vous, madame. Je vous explique. La syphilis est une infection qui se transmet principalement par rapport sexuel. Donc, les symptômes sont les douleurs articulaires, mais également les éruptions cutanées au niveau de la partie intime de l'homme ou encore de la femme. Par chance, la maladie a été décelée rapidement. Par conséquent, nous allons vous prescrire un traitement. Merci, docteur. Mais dites-moi, vous m'avez dit que votre mari avait une maîtresse. Est-ce qu'elle est informée? Je ne pense pas. Vu qu'à moi-même, il me l'a caché. Et si je n'avais pas découvert le flacon de médicaments, je n'aurais jamais su qu'il était malade. Mais il faut qu'elle soit absolument informée. Sinon, ça ne se fait pas traiter. Elle court des graves conséquences. Docteur, ce n'est pas mon problème.
Elle peut même mourir si elle veut. Je n'en ai rien à faire. Écoutez, donnez mon numéro de téléphone à votre mari. J'aimerais parler avec lui. Ok. Merci, au revoir. Merci de le faire. Mais vraiment, Julien, il n'a pas de cœur, hein? J'aurais pu mourir comme ça. Tu as raison. Et comment peut-on être méchant à ce point? Heureusement, moi je vais bien. Mais j'aurais pu attraper le sida. Ma copine, tu n'as pas le sida. Tu n'as que la syphilis et tu as un traitement pour ça. Donc ça ira. De toute façon, je vais rentrer me reposer parce que je suis fatiguée. Ok, donc maintenant que tu es rassurée, je peux te laisser. Oui. Je t'appelle le soir. Oui, allô, ma cocotte. Julien, tu es vraiment un criminel. Tu es malade, tu te soignes et tu ne me lis pas. Moi, malade, tu me parles de quoi? Je parle de la syphilis que tu traites en ce moment. Ta femme m'a tout expliqué. Syphilis? Mais tu sais que je ne suis pas un délinquant sexuel. Tu blagues ou quoi? Tu es vraiment un sorcier. Non seulement tu refuses de te protéger, et en plus, j'apprends que tu portes une sale maladie et tu ne prends pas la peine de m'informer. Je ne sais pas à quoi tu fais allusion et de quoi tu parles. Écoute, si toi tu n'as rien à faire, moi j'ai du travail. Julien, le salaud, il m'a raccroché. Il m'a raccroché au nez. Thank you.
Qu'est-ce qu'il y a à ma puce? Chérie, tu sais que je t'aime. Toi et moi, on a déjà fait un chemin ensemble. Même si ça n'a pas empêché que l'on puisse faire des erreurs. Et ce que je vais te dire, c'est un peu compliqué. Je ne te fâche pas. Waouh. Si tu me demandes de ne pas me fâcher, alors ce que tu t'apprêtes à m'annoncer va certainement m'énerver. Le bébé... Il s'agit de quoi? Mais parle! Le bébé, je sais que tu m'aimes, moi aussi je t'aime, mais chérie, en fait je t'ai trompé. Il se pourrait que tu aies la syphilis, parce que celui avec qui je t'ai trompé, je suis un traitement. Tu dis quoi? Mais tu n'as pas avec qui? Hein? Tu veux me tromper? Sans te protéger? Dis-moi pas avec qui tu l'as fait. Tu vas me le dire. Tu l'as fait avec qui? Tu l'as fait avec qui? Chérie, dis, tu as revu ta copine Janine? Oui. Elle va bien, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade? Depuis quand tu t'intéresses à sa santé? Non, c'était juste pour savoir. T'es sûr? Je suis sûr, oui. Est-ce que tu m'as l'air inquiet? Non, 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 il n'y a rien de grave. Ok. Oui, entrez. Vous ici? Oui. Je suis venu te laisser ta femme. Mais tu as besoin de voir un psy? Ah non, ne joue pas aux comédiens avec moi. Parlez moins fort, j'ai des enfants dans la maison. Et vous êtes chez moi ici? Elle m'a tout avoué. Qu'as-tu avoué? J'ai tout avoué, il le fallait. Il se pourrait qu'on soit aussi malade. Emilienne, je te demande pardon. Je sors avec ton mari. Je le savais déjà. Si je t'avais confrontée, tu n'aurais jamais avoué. J'ai donc été obligée de mettre en scène tout ceci. Et tout ce qui s'est passé le matin? Tout ce qui s'est passé le matin est une mise en scène. Le médecin que tu as vu, c'est un ami à moi. Il a juste suffi que je l'appelle. Allô? Emilienne. Bonjour, docteur Thomas. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'aurais besoin que tu me rendes un service. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Demain, je passerai à ta clinique et j'aimerais que tu me fasses un faux diagnostic de syphilis. D'accord, pas de souci. Ok, donc demain, en tout cas, je vais bien t'expliquer sur place. Ok, d'accord. En tout cas, je serai au bureau. Merci. Bonne soirée.
Le tour était joué.